Mahalaliel. Mahalaliel. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Bon, c'est d'entendre ça, oui, parole Yobel. Hein? C'est d'entendre ça, il y a toute importance. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. J'aime le passage que nous venons de lire, particulièrement les versets 18 et 19. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Où tendez ça, bien-aimé? Où tendez ça? Dans mes dents d'eau, lis ensemble avec moi. Versets 18 et 19. On allait. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Wow. C'est seul l'Éternel qui a fait promesse ça, bien-aimé. C'est seul l'Éternel qui a fait promesse ça. Parce que les hommes peuvent beaucoup parler, ils peuvent faire beaucoup de promesses. Mais l'Éternel parlait, ses promesses sont certaines et véritables. Des fois, ils nous font leurs promesses de bonne foi, mais arrivés au pied du mur, ils n'ont pas la capacité. Mais Dieu, lui, quand il dit de sa bouche, il a aussi la puissance d'accomplir. Et c'est pour cela qu'il est Dieu, mes bien-aimés. Nous vous saluons spécialement ce matin, et vous le savez déjà, moun ki sot pi loin yo m'pi kontan wè yo. Parce que je sais que c'est difficile ces derniers jours, c'est tout un sacrifice. Nous ne sommes plus au temps de l'église des catacombes. Vous connaissez l'église des catacombes, c'est sûr. Quand l'église était persécutée, ils ne pouvaient pas se réunir. Et c'est dans caché qu'on fait ça. Mais les temps sont difficiles, mes bien-aimés. Les temps sont difficiles. On n'empêche pas les cultes directement, mais nous avons beaucoup de bâtons dans nos roues, pas vrai? Mais bon Dieu, plus fort. Bon Dieu, plus fort, et c'est ça que fait matin nous là. Et c'est ça que fait matin nous là. Et grâce à Dieu, nous sommes toujours là. Jusqu'à ce que trompette là sonne. L'Éternel est vivant, notre âme aussi est vivante. Et je le dis très souvent, mes bien-aimés, vous connaissez, joue moi que bon Dieu saute, moi ma paix. J'ai beaucoup d'amis, alors, des collègues, quand je leur parle, ils disent, bon, ou même, ou pas, j'en paix. Parce que quand il y a des difficultés à gérer, des fois, je me propose. Je dis, mon père, j'en paix. Je me toujours répondu en seul bagaille. Joue moi que bon Dieu saute, moi ma paix. Parce que c'est non mel moi. Il dit, nom écrit dans la main. Pas grand yon kap fait, li pas gen contrôle li. Et chaque temps pour l'agir, à qui ça le bras l'agir, ça a mel. Ça veut dire chaque temps le bras l'agir l'ouem. Par contre, si vous comprenez ce que c'est ça, nous mais bien. Chaque temps, bon Dieu, bras l'agir l'ouem. Si, non, non, la main, li wadou. Ah oui. Quand vous chantez les choses, mes bien-aimés, quand vous lisez les Saintes Écritures, il faut aller en profondeur là-dedans. Non, il a écrit nos noms dans sa main. Et il agit de sa main. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il agit, il nous voit. Il se souvient de nous, mes bien-aimés.